still checking if the place still cold. Moving in the way, no place, no snow. Straight chilling with my niggas that shiver. Hey, yop yop les petits potos, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Comme d'habitude, on se retrouve pour une nouvelle vidéo découverte, les amis, sur Pokémon MMO 3D, un jeu sur lequel, enfin c'est, on va dire, c'est pas une découverte, c'est une redécouverte, car j'avais déjà fait la découverte il y a 2 ans de cela, sauf que il y a eu beaucoup de mises à jour sur le jeu, il a été amélioré niveau graphique. Niveau graphisme, graphique, graphisme, t'as compris. Niveau interface, niveau jouabilité, niveau agréabilité, j'ai envie de te dire. Et donc, on va retester tout ça aujourd'hui. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, c'est un Pokémon-like créé par des fans. C'est pas un jeu officiel, c'est un jeu donc créé par des fans. C'est en gros Pokémon les premiers, alors je crois que c'est un mélange des premiers et de ceux qui suivent. Il y a environ 700 Pokémon en tout. Il y a les Pokémon Shiny, ça marche comme ça marche comme Pokémon normal quoi. Par exemple, t'as les évolutions pour faire évoluer comment certains Pokémon, il va te falloir par exemple une pierre foudre ou machin. Enfin, c'est tout comme Pokémon. Bon, je vous donne un exemple à la con là, mais c'est tout comme Pokémon. Sauf que ce ne sont pas des combats en tour par tour comme Pokémon basique ou comme Temtem par exemple. Ce sont des combats donc en temps réel, les amis. Donc je vais vous montrer tout ça, on va voir ça ensemble. Donc première grosse nouveauté, les amis, c'est votre personnage. Le personnage est franchement trop stylé. Alors étant donné que j'ai joué à seulement Pokémon rouge, bleu et jaune, je ne sais pas si c'est un Pokémon, un personnage officiel, mais j'ai l'impression que si. Alors je sais pas, vous me direz en commentaire, n'hésitez pas à me dire. Donc regardez, je trouve qu'il est vraiment stylé, avec des petites chaussures en mode Adidas un peu là. Petit sac stylé aussi, petite casquette, franchement stylé, je kiffe. Donc à savoir que quand vous commencez, les amis, vous pouvez choisir votre, vous créez votre personnage, vous pouvez prendre une fille ou un garçon. Je vais vous montrer ça vite fait. Quand vous arrivez, donc on a ce petit menu qui vous dit minimap touche M pour communiquer avec un personnage non joueur. Approchez-vous et cliquez dessus. Vous pouvez configurer les touches du clavier via le menu. On peut jouer à la manette aussi, je crois. Obtenez votre premier Pokémon dans le laboratoire du professeur Shen, la maison avec l'éolienne devant vous, en parlant à l'assistant. Donc c'est ce bâtiment ici. Donc M. Ça c'est un peu un des points négatifs que j'avais relevé il y a 2 ans quand on avait fait le test. C'est la map. Après c'est vrai que dans les jeux qui sont créés par des fans ou par des petites équipes, en général les maps elles se ressemblent un peu. C'est un peu une map comme ça qui est pas très belle. Mais j'ai vu qu'ils allaient bientôt justement améliorer la map. Bref. Donc je vais vous montrer pour le personnage. C'est pas ici. C'est pas ici. Donc. Ah oui, j'ai oublié plein de trucs, les amis. Alors attendez. Déjà, premièrement, il y a un cycle jour et nuit. Donc ça, je kiffe ma race. Franchement, j'adore. Là, vous voyez, c'est la nuit. Il est 9h du soir. C'est un serveur avec 200 joueurs qui peuvent jouer en même temps. On est 30, 29. Donc. Ici, c'est l'interface de mon personnage. Donc, vous voyez que je suis niveau 2. J'ai une barre d'XP. Je crois qu'il n'y avait pas de barre d'XP avant. Si je dis pas de bêtises. Il me semble pas, je ne suis pas sûr. En tout cas, on a une barre d'XP. Je suis niveau 2. J'ai 716 dollars sur moi. Poké dollar. C'est pas le Poké dollar dans Pokémon ? Dites-moi en commentaire, moi je connais pas Pokémon les amis, désolé, je suis un vieux, donc désolé. Donc si je fais des erreurs ou que je dis des bêtises, m'en voulez pas. Ensuite en bas, on a les badges qu'on va pouvoir obtenir. Donc il y en a 6, 7, 8 pour le moment apparemment. Alors je sais pas s'ils y sont tous ou si on pourra les débloquer plus tard. Et ici, c'est ce que je vous disais au début, donc vous pouvez choisir soit ce petit garçon ou cette petite fille. Hélène. Chase. Hélène. Franchement, même la fille, elle est stylée. Je kiffe. Bon, nous, on a le petit homme.
Normal, légal. Hop. Donc au-dessus, on a plusieurs onglets. Donc le premier que je viens de vous montrer. À côté, c'est pour la map. Là, c'est notre sac à dos. Donc ça, c'est aussi quelque chose que j'aime bien. C'est l'interface. Alors vous allez me dire, elle est simple. Elle est simple, mais je sais pas pourquoi j'aime bien. Franchement, j'aime bien avec le tour noir comme ça. À savoir que vous pouvez régler la transparence de vos interfaces. Donc, on a dans le sac une place pour chaque objet, chaque catégorie, les Pokéballs, les soins par exemple, etc., etc. Et voyez qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'onglets. Donc ça, c'est cool, je trouve. Voyez les pierres. Je pense que ça, c'est pour les pierres d'évolution. Il y a la bicyclette. Je pense qu'on pourra avoir un vélo. Ensuite, à côté, le Pokédex. Ah ben voilà, regardez. Comme ça, je peux vous montrer le Pokédex. Donc vous voyez, Bulbizarre, Bulbizarre, après c'est qui déjà? Je m'en rappelle plus. Oh la honte. Bulbizarre, Florizarre, mais entre, je sais plus. Oh, oh, ça me met un coup de vieux dans la gueule là. Bref, Salamèche, Carapuce, Pikachu, Rookoops, Rattata. Et regardez, il y en a vraiment pas mal, hein, franchement, pour un jeu de fan, c'est vraiment ouf. Il y en a 721. Donc forcément, il n'y a pas que les premiers Pokémon. Alors après, moi, je connais pas du tout les autres Pokémon. Je connais vraiment que les premiers, les amis. Ça va jusqu'à où les premiers, d'ailleurs? Je suis en train de me poser la question. J'essaye de reconnaître. Je pense qu'il y en avait une centaine, non? Ah, voilà. Ah, mais oui, c'est ça, je me rappelle. Alors, j'avais bien aimé, donc moi, les premiers Pokémon, forcément, c'est mes préférés. Il y avait aussi la version juste après. J'avais quand même assez bien aimé le design des Pokémon. C'est après que j'avais pas trop aimé, mais les deux premiers, en gros, on va dire que j'aimais bien. Ah, là, il y a Kabuto, je crois que c'est. Kabuto, ouais. Loclass. Donc ça, c'est encore la première génération. Et vous voyez, avec Sulfurar, Ticodin, Elector, les mini Draco, Dracolos, Mew, Tou et Mew. Voilà, ça va jusqu'à 151. Et après, on a encore une autre génération. Donc, je pense qu'il doit avoir au moins 4 générations, je pense. Essayez de me dire en commentaire si jamais vous reconnaissez les Pokémon là à travers les petites images. En tout cas, il y en a 721 à capturer. Donc, c'est vraiment nice. Quand vous croisez des Pokémon, je vais peut-être dire Temtem en me trompant pendant cette vidéo. Je m'excuse d'avance, les amis. Ce n'est pas voulu. Donc, quand vous rencontrez un Pokémon, il est dans votre Pokédex. On peut cliquer dessus. Alors, ce que j'aime bien aussi, c'est les musiques qui sont les musiques originales, peut-être un peu modifiées, je ne sais pas. Et également les bruits. Écoutez. Ah, c'est vraiment un bruit. C'est un bruit simple, mais putain, mais ça fait tellement du bien de l'entendre, ce bruit, je vous jure. Là, vous voyez ce que je vous disais. Par exemple, Pikachu, pour le faire évoluer, il te faut une pierre foudre. Tu prends Carapuce pour le faire évoluer en Carabaf, niveau 16. Donc ça, c'est cool, tout est écrit ici. On a une petite description. Donc le jeu est dispo en français, les amis. Il est en anglais de base, mais vous pouvez le mettre en français. Description. Il se réfugie dans sa carapace et réplique en éclaboussant l'ennemi à la première occasion. Putain, excellent. Ça me fait vraiment des frissons de jouer à Pokémon. Stats de base. Donc là, on a les stats de base, comme dans les Pokémon. Et là, les différentes attaques. Alors ça, c'est pas toutes les attaques que j'ai. Ah non, d'accord, ok, j'avais pas compris. C'est toutes les attaques qu'il peut apprendre et il y a écrit à quel niveau il les apprenne. Donc voilà pour le début. Attendez, on n'a pas fini, hein. On en était où? Pokédex. Ah oui, il y a aussi ça. Alors là, il y a une petite icône avec une Pokéball, je sais pas ce que c'est. Oh, c'est quoi? Ah, oh, c'est un genre de guide. Ah, un guide poussé. Oh! Oh, mais c'est vraiment super bien fait. Bulbizarre, il évolue au level 16 et après level 32. On peut voir les attaques, tout ça, les stats. Shiny variante. Et donc, oui, il y a des shiny, les amis. Une chance sur 4000 d'avoir un shiny. Et une chance sur 1 million de choper Mew, je crois, un truc comme ça. On voit. Ah, on peut voir où le trouver aussi. Ah, ben là, vous voyez, il y a une belle map par contre. C'est dommage qu'il n'y a pas une map comme ça. Palette Tone, level 2 à 5, ok. Terrain, le temps.
Ah, il y a peut-être des horaires spéciaux pour l'apparition de certains Pokémon. Excellent ça. Player guide. Event. Il y a des events aussi. Shiny guide. Shiny Dex. Map. Donc il y a du PVP les amis évidemment puisque c'est un MMO. Map, route 9, level range 14 à 20, Johto, hide icône. Ah, je peux choisir, ok. Alors, où est-ce que je suis moi du coup? Là, je suis à Jadiel, je suis où? Je suis au Bourg Palette. Vermillion City. Ah, il y a des petits noms qui me disent des trucs. Hein. Safari Zone, Palette Town. Où est-ce qu'on commence les amis? Purée, je suis en train de me dire que je suis vraiment vieux parce que je ne me rappelle de rien, bordel. Viridian Forest, ça c'est la forêt après Bourg Palette, non? Après machin, non? Je sais plus. Johto. Ah, Johto et Kanto. Deux maps. Hide icône. Tac tac, ok. Si je clique là. Rien de spécial. Ok, donc c'est une petite map. Ok, nice. PVP. Tout ça, tout ça. Bref. Ensuite, les amis, un petit... l'avant-dernier onglet. Donc, il y a aussi, comme je vous le disais, un système de Pokécoin. Vous pouvez avoir des skins. Donc, ça, c'est pas mal. Si vous voulez changer l'apparence de votre personnage, il y en a pas mal. J'ai regardé vite fait. J'ai 1000 Pokécoins. Et vous voyez, là il y a le prix du skin en question. Il y a pas mal de skins. Il y en a pour filles, pour garçons. Plusieurs styles. Vous voyez, il y a même Red. Il y a Blue aussi, je crois d'ailleurs. Ouais, il y a Blue. Ah, il coûte seulement 800 celui-là. Ah, bah je prendrais bien. Moi, je prendrais bien lui. Où ça? Lui il est stylé aussi, putain. Ouais. Attends, 500, j'ai. Ah, j'aurais pas assez si je prends Sacha, j'aurais pas assez pour prendre lui, quoi. J'aurais bien pris les deux en fait. Et bien, vous savez ce qu'on va faire, les amis? Vous allez me dire dans les commentaires quel personnage j'achète pour le prochain épisode. Soit celui-là, Boy Team Skull. Soit. Red, donc Sacha quoi, pour moi c'est Sacha, voilà, soit Sacha, soit celui-là, ok, et donc, on a 1000 de départ, je pense que tout le monde a 1000 de départ, et vous voyez que, il y a quand même beaucoup de skins que tu peux acheter directement quoi, il y en a à 1200, 1200 c'est le max, non, il y en a un à 1500, c'est Giovanni, ah il y a Giovanni, c'est le boss de la Team Rocket ça non? Si mes souvenirs sont bons c'est ça hein. 1200, 500, 500, 1200, 1200, 800, 800. Voilà. Bref. Et le dernier onglet, c'est pour les contrôles. Configurer les graphismes, etc., etc. Ok. Donc, voilà à peu près pour les différentes choses, les amis. Je sais pas, ça fait combien de temps que je rec, là. J'aurais peut-être dû regarder l'heure. Ah, ça fait 15 minutes. Parfait, ça. Nice. Hop. Donc, ensuite, le dernier truc que je vais vous montrer, et après on commencera l'aventure, les amis, désolé, c'est long, mais je préfère tout vous expliquer dès le début, comme ça, vous savez à peu près de quoi il s'agit. Donc, en haut à gauche, je pense que vous l'aviez déjà vu, avec vos petits yeux de quoi? On va pas être méchant, vos petits yeux d'elfe, avec vos yeux d'elfe. Donc ça, c'est les Pokémon que j'ai déjà capturés. Donc, j'ai un Pikachu, un Carapuce, un... Roucoul. Fuck mon Pokédex. Je suis en train de me foutre la honte là. Un Roucoul frère. Putain, un Roucoul frère. Roucoul, Roucoups, Roucarnage. Ta frère, t'exagères. Et un Ratata les amis. Donc ça c'est un truc que j'ai bien aimé aussi sur le jeu. C'est que par exemple, regardez, je prends mon petit Pikachu.
Je choisis où jeter ma Pokéball. La Pokéball est animée, les amis. Or ça, j'ai kiffé quand j'ai vu ça. Regardez. Elle roule. Paf! Mon petit Pikachu qui spawn. Donc, je vous explique vite fait comment ça marche quand vous invoquez un Pokémon. Un petit chiffre en vert, c'est son niveau. En rouge, barre de vie. En bleu, barre d'endurance. Si je dis pas de bêtises. Enfin, oui, quand par exemple, si je fais attaque éclair, ça me prend 25 dans ma barre bleue. Ok? Là, mes différentes attaques. Là, les attaques que je débloquerai plus tard. C'est à peu près tout. Oui, c'est à peu près tout. Et donc, comme je vous le disais, c'est en temps réel, les amis. Et c'est vous qui contrôlez le Pokémon. Donc, ça, c'est. Alors, en fait, quand j'avais testé le jeu il y a 2 ans, j'avais trouvé ça nul à chier. Je vais pas vous mentir, j'avais trouvé ça nul à chier. Je pense que ça venait du fait que le jeu était vraiment mal optimisé. Il n'était pas agréable du tout à jouer. Là, je sais pas vraiment ce qu'ils ont fait, mais bah, déjà niveau graphique, il est ultra beau le jeu. Et encore là, c'est la nuit, mais vous verrez si on va jusqu'à la journée. La journée, c'est juste topissime. D'ailleurs, je voulais attendre la journée pour vous faire l'intro pendant la journée. Mais la nuit dure assez longtemps quand même. Vous voyez que le temps passe pas spécialement vite. Et je me suis même posé la question si c'était pas une météo en temps réel. En mode, quand il fait nuit, quand c'est le soir. En vrai, c'est le soir dans le jeu. Je me demande si c'est pas ça. Attends, mais je suis con en fait. Il est. Ouais, non, là il est 9h16 dans le jeu et en vrai il est 9h44. Donc je sais pas trop comment ça marche. Bref. Donc au début j'ai pas aimé, mais maintenant j'adore les amis. J'ai essayé, j'ai fait juste un combat contre un Roucoule sauvage qui m'a attaqué là pendant que je faisais la première intro que j'ai ratée. Et j'ai kiffé, franchement. Donc vous déplacez avec les touches comme votre personnage. Donc mon personnage il reste là. Hein. Vous choisissez les attaques. Vous avez besoin d'une cible. Ah oui, il faut une cible évidemment. Mais de toute façon, je vais vous montrer tout ça après. Donc, si vous voulez rentrer votre Pokémon, vous cliquez là-haut et ça le range. Et ça vous switch sur votre personnage. Ok les potos, allez, c'est parti maintenant que qu'on sait tout. Ok, bref, allons là. Laboratoire du professeur Chen. Alors, par contre, les amis, vu que j'avais joué 2 ans et que ça a sauvegardé ma progression, bah, j'avais rien fait, mais ça a quand même sauvegardé ce que j'avais capturé. Je suis déjà niveau 2. J'avais déjà choisi mon Pokémon. Et là, vous avez vu que quand on est arrivé, il nous a dit, va au laboratoire choisir ton Pokémon. Alors, est-ce que ça a créé un bug et que je vais pouvoir choisir un deuxième starter? J'en sais rien, ça m'étonnerait, mais on va aller voir ça. Alors, il y a éleveur de Pokémon ici. Wesh. Oh, il y a Blue et Red ici, mais what? Ah bah comme ça, vous voyez le skin de Red. Oubliez pas de me dire celui que je prends. Hein. Donc ici, je suppose que ça sera pour soigner nos Pokémon. Ah oui, regardez, on voit les Pokéballs. Nice. Ah, il y a une télé ici. Attends, mais est-ce qu'on peut s'asseoir? Ah, il y a une télé, mais regardez, je peux sélectionner les trucs sur la télé, quoi. Je peux cliquer sur un. C'est quoi? Ah, c'est le classement des joueurs, on dirait. Go Hit. Ah, c'est le site! C'est le site du jeu, mais ils sont trop forts. C'est ça, c'est le classement des joueurs. Pokémon MMO 3D. Mais what? Genre, ça marche vraiment? Tu peux accéder au site comme ça. Non, mais c'est insane, j'ai jamais vu ça dans un jeu, mec. Il y a oh. Il s'appelle comme ça, hein, ouais. New Cave System. J'ai vu qu'il y a eu ça dans une récente mise à jour. Découvre des grottes secrètes de Kanto et Johto. Ok. On va laisser ce fond d'écran, c'est plus beau. Est-ce qu'on peut parler à eux? Red. Blue. Minable. Ok, ça s'insulte fort quoi. Ok. Attendez, on va aller par là, celui-là là. Ah oui, et ici aussi, regardez.
Alors ça, je sais pas ce que c'est. Ah, mais est-ce que c'est pas pareil? Ah, mais si! Oh! Mais attends, mais... Mais mec, mais c'est insane, ce... Ce système de mettre un site sur lequel tu peux vraiment accéder dans le jeu. Mais c'est ouf, j'ai jamais vu ça de ma vie. Regardez-moi ça. Mais what the fuck? Ils sont trop forts. Ok, éleveur de Pokémon. J'ai apporté un Pokémon très spécial pour que le professeur Shen l'étudie. Mais il n'est pas là. Tu peux le garder si tu veux. Je l'ai déposé à l'étage avec les autres. Tu peux le garder si tu veux. Ah, donc j'en ai un gratuit? À l'étage. Vas-y, mon gant. On peut soigner nos Pokémon ici. Ah oui, je m'en rappelle ici. Là, il y a toutes les Pokéballs. Oh! Alors ça, c'est pareil, les amis. Il faut que vous me dites en commentaire. Est-ce que en vrai dans Pokémon, parce que moi j'ai joué qu'au premier, donc moi je connais juste cette Pokéball là, et puis la Super Super Ball et puis la Master Ball, je crois que c'était à l'époque. Mais alors là, il y en a plein que je ne connais, mais alors pas du tout. Alors, est-ce qu'ils en ont créé eux-mêmes? Ou est-ce que c'est vraiment toutes des vraies? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais regardez tout ce qu'il y a. Voilà. Celle-là, je crois que je la connais. Attends, on peut cliquer dessus, je crois. Sur certaines, on peut. J'ai récupéré? Sac à dos. Elle est où? Ok, je sais pas ce que j'ai fait. On va aller parler à ce monsieur-là. Vous avez entendu ce qui s'est passé dans la caverne azurée? On raconte qu'un Pokémon sauvage extrêmement puissant est apparu au fond de la caverne. Jusqu'à présent, aucune personne n'a encore été capable de le battre. Il a même battu l'ancien maître de la Ligue Pokémon. On suppose qu'il s'agit d'un Pokémon psy. Ah, ce Pokémon est trop fort. On ne peut rien faire contre lui. Ok. Mais pourquoi j'ai pu prendre une Pokéball ici, là? Ah, il est là! C'est Pikachu! C'est ça a fait dupliquer, ça veut dire que je vais avoir deux starters. Mais what the fuck? J'avais pris Carapuce la première fois. Donc en gros la première fois que j'avais joué, donc enfin même là quand tu joues, tu dois choisir ton starter, plus si tu explores bien le bâtiment et que tu tombes sur ce personnage et que tu captes qu'il y a un Pokémon qui t'attend en haut, tu as Pikachu plus un starter. Moi j'avais pris Pikachu donc parce que je l'avais trouvé la mission plus Carapuce en starter. Là, on vient de revoir Pikachu. Et donc, je vais aller rechercher un starter. Donc, je pense que je vais prendre ça à la mèche. J'aurai un feu, un eau. Ah, ça, c'est pour stocker les Pokémon. Ok. Assistant, il est là. Ah, ça, c'est des Pokéballs pour capturer. Nice. Ah, ils ont un Discord, apparemment. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Le professeur Shen n'est pas là, mais tu peux tout de même choisir un Pokémon Bulbizarre, Salamèche ou Carapuce. J'ai bien envie de prendre Bulbizarre quand même. Mais non, je vais prendre Salamèche pour Dracaufeu, oblige. Comment se porte ton Pokémon? Bah écoute, ça va. Je peux rien répondre par contre. Non. C'est bon, je l'ai, Salamèche. Go! What? Mais regardez sa petite flamme! Il est trop stylé! Salamèche! Nice! Franchement, oh, il y a un Ratatamort ici. Oh, le pauvre. Franchement, ils ont travaillé les graphismes, ils les ont changés, mais tellement de ouf. Oh, il y a un objet là! Objet secret, les amis. Si vous commencez le jeu, regardez.
Pas du tout, je peux pas le prendre, c'est quoi? Mais pourtant, quand il y a un objet en bleu, on peut les prendre normalement. C'est bizarre. On dirait que le soleil est en train de se lever. Donc ça là-bas, c'est quoi? C'est Elbour Palette? Ou c'est Jadiel? Putain, je me rappelle pas. Hein. Ok, allons-y. Attendez, par contre, j'ai deux Pikachu, je vais en laisser un ici. Hop. Ah, il est niveau 5. Niveau 5. Est-ce que c'est bien le niveau que je vois? Niveau 6. Niveau 4. 3. Ouais, c'est ça. Salamèche ici. Tac. Tac. La prise en main est simple et efficace, franchement. Bon, vous avez vu, quand tu colles les murs, tu traverses un peu tout ça. Mais bon, je vous rappelle que c'est comme si toi, demain, tu faisais ton propre jeu Pokémon, quoi. Donc, faut être indulgent. Attends, c'est un joueur, ça? Comment il a eu ce skin, putain, le bâtard. Là, on a le petit Alakazam pour se téléporter dans plusieurs villes. Ah, bon, on est à Jadiel, ici. Il y a Argenta, Azuria, Safrania, Carmin-sur-Mer, Céladopol, Lavanville, Parmanie et Cramoisil. Ok, alors attendez, je crois que j'ai vu un truc là sur le long du mur, non? Il n'y a pas une caisse ou je sais pas quoi? Là, c'est quoi ça? Attendez, je regarde s'il n'y a pas des petits trucs cachés, on sait jamais. Non, ok. Ah oui, aussi important, on peut sauter. Ah, j'ai fait quoi là? Ah, c'est pour lancer une Pokéball ça? Ah, c'est comme ça qu'on fait. Ah merde. Ah bah merde. Comment je la récupère? Ah, ça me l'a gaspillé. Vous pensez que ça me l'a gaspillé? Oh non. 5. Ok, j'en ai 5 apparemment. Ok, donc ici, ça que je voulais vous dire, ici c'est la zone PVP. Alors attendez, je vais attendre que mon message s'en aille. Je dis bonjour dans le chat aussi. Hello. Ah, il y en a qui m'a répondu. Bref. Donc ici les amis. La danse de la joie, obligé les amis. Cette musique, ça me rappelle trop de trucs. Regardez la petite arène quoi. Stylé. Aide PVP. C'est une zone de combat PVP. Tu peux faire des matchs contre tes adversaires dessus. S'il y a déjà un combat, évite de le perturber et profite du spectacle. Alors ça aussi, c'est un aspect que j'adore les amis dans le jeu. Vu que tout est en temps réel, si par exemple il y a deux mecs qui viennent se fight, je pourrais très bien prendre mon Salamèche, l'envoyer comme ça et aller foutre totalement la merde dans leur combat, tu vois. Donc il faut quand même faut pas être faut pas venir jouer à jeu si t'es complètement con et puis que tu respectes personne quoi, vous voyez. Regardez, donc là, petit premier combat, merde, paf, griffe griffe. Et donc vous voyez là, il y a la barre de vie du Roucoule. Me cherche pas, je te brain. Paf. Je vais le soulever en 2 secondes. Paf. On retourne vers Sacha. Enfin, vers Smoke and Play. Allez, viens là que je te finisse. Paf. Plus 14 de points d'XP, j'ai gagné du coup. Là, je pourrais le capturer, j'en ai déjà un, donc je vais pas le capturer. Hop là. Bref, et par contre, je suis en train de penser, on n'a pas de. On n'a pas de truc pour les quêtes. Ça, c'est quoi? Ça, c'est tous les joueurs qui jouent en ce moment.
Et quand tu cliques sur la petite maison, ça te retépé devant le moulin là. Ok. Ah, je peux voir les joueurs. Lui, il est niveau 28 par exemple. David, il est niveau 10. Ok. Bref, on va partir par là-bas. On va aller voir ce qui se passe par là-bas. Par contre, j'aimerais bien qu'il fasse jour. Attendez, je vois un Pokémon là-bas. Ah, c'est un Rattata. Rattata. Et j'aime bien le style graphique un peu mélangé. Oh, le pont, le bois, il est beau. Putain, c'est stylé. Même la terre, j'aime bien. L'eau, elle est belle. Bon, les petits potos, on va s'arrêter là pour le premier épisode. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que cette petite redécouverte vous aura plu. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si ça vous plaît, si vous voulez la suite, je vous ferai la suite sans problème. Car moi, personnellement, je kiffe le jeu. Je pourrais y jouer pendant plusieurs heures de suite, ça me dérange pas. Donc dites-moi tout ça. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire si ça vous a plu. De vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous n'êtes pas abonné, rejoignez-nous les potos. Rejoignez-nous. Allez, je vous laisse ici. Merci à vous. N'hésitez pas à partager la chaîne pour ceux qui le veulent. D'aller regarder aussi une petite pub de 30 secondes sur Utips si vous voulez m'aider gratuitement. Je vous laisse ici à la prochaine vidéo. Bisous, bisous les potos. C'était Smoke and Play. Bonne journée. Tchuss tchuss. Chala, hey chala, 何が起きて